Bonjour tout le monde, ça y est, c'est le troisième atelier de la semaine, le troisième atelier consacré 100% à la Corée du Sud, un pays qui a rouvert pour les PVTistes français cette semaine. Et donc à cette occasion, on vous a proposé trois ateliers. Le premier, c'était lundi sur les choses à savoir quand on part en Corée du Sud. Hier, on a parlé de l'emploi en Corée du Sud et vous pouvez retrouver, si vous les avez manqués, les replays de ces deux précédents lives sur notre chaîne YouTube PVTiste dans la catégorie Asie. Aujourd'hui, on va parler de la vie quotidienne en Corée et c'est un vaste sujet. Donc, je vais essayer de vous dire un maximum de choses. Vous pourrez essayer de me poser des questions dans la foulée, mais comme je le dis souvent, je préfère le répéter, je n'ai pas moi-même fait un PVT en Corée. Autant j'en ai fait au Canada, en Australie et je connais très bien le PVT depuis bientôt 17 ans que je suis sur pvtis.net et je connais aussi bien, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur la Corée, sur des retours d'expérience de PVTistes en Corée. J'aurais peut-être un petit peu plus de mal à répondre à vos questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas quand même à les poser, pourquoi pas. Comme ça, si à un moment donné, je peux trouver des éléments de réponse, on n'hésitera pas à les ajouter à nos dossiers thématiques déjà existants. Vous allez voir que je vais déjà donner beaucoup d'informations aujourd'hui et on va vous donner tout au long du live des liens en commentaire de la vidéo que je vous invite vraiment à aller consulter parce que c'est à la fois des choses informatives et des témoignages d'actuels ou d'anciens PVTistes. Sur PVTiste, on a pas mal d'informations, on va vous en donner aujourd'hui beaucoup, mais on a notamment le guide des PVTistes en Corée du Sud que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF. Il est très complet, il est très beau. Alors, j'ai constaté aussi en allant faire un petit peu des recherches dedans qu'il y a pas mal de liens qui ont changé puisque ce guide date d'avant la pandémie, même un petit peu avant. Donc, il y a sans doute des liens, vous verrez, qui n'existent plus, tout ça. Donc, ça va être quelque chose qu'on va devoir mettre à jour en 2022, idéalement. Mais il y a quand même énormément de ressources. Vous ressortirez de cette lecture avec plein d'informations. Donc vraiment, je vous invite à le télécharger. Il est gratuit. Ce serait bien dommage de vous en priver. Sur notre chaîne YouTube, il y a des replays de live sur le PVT en général qui peuvent vous intéresser. Un des derniers en date, c'était pour ceux qui partent seuls en PVT. Et on a également des témoignages d'anciens PVTistes, notamment Elisa qu'on a interviewée il y a quelques mois, qui a fait un PVT en Corée. Et on a fait une session d'information générale sur le PVT en Asie. Et pour la Corée, c'était Sorenza qui témoignait. Ce que je voulais vous dire également, c'est que on a une newsletter. En fait, vous pouvez vous tenir informé de toutes les nouvelles actualités en nous suivant sur Instagram, sur notre page Facebook pvtis.net Corée du Sud, sur Twitter, évidemment sur YouTube, mais ça c'est plus pour les lives. Mais on a également une newsletter 100% Corée du Sud à laquelle vous pouvez vous inscrire et qui vous permet de recevoir un email à chaque fois qu'il y a une information importante. Pour nos prochaines sessions d'information, notez qu'une fois par semaine, on fait une session de questions-réponses en direct sur Instagram. Généralement, c'est le mercredi midi. Donc, je vous retrouve notamment les 23 et 30 mars à midi pendant 1 heure, 1 heure et quart sur notre compte Instagram PVTiste pour cette session de questions-réponses. Le 1er avril à midi, on va faire un point Covid-19, tout pays du PVT confondu. Le 4 avril, sur Instagram, on va faire l'interview de Mohamed et Leïla, qui sont deux PVTistes belges actuellement en Corée du Sud. Il y a peut-être des choses que vous pourrez leur demander en période de Covid, des choses, des retours beaucoup plus récents. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir ce 4 avril à midi pour poser des questions à ces deux PVTistes. Le 12 avril, on parlera également de comment établir, comment prévoir son budget avant de partir en PVT. On passe maintenant donc à la vie quotidienne en Corée du Sud. On va aborder pas mal de sujets, notamment le logement, la banque, la téléphonie, la culture, l'intégration, hein, comment sont vus un peu les étrangers. On va parler également de votre arrivée sur place. C'est surtout le logement qu'on va bien développer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et puis ensuite, on n'hésitera pas non plus à faire des petits focus sur la nourriture, rapidement la conduite, les vêtements, l'alcool, les cigarettes, la santé rapidement aussi. Et puis ensuite, ça va surtout être peut-être parler notamment des minorités, les questions qui reviennent assez souvent, des gens qui se demandent un petit peu comment ça se passe en Corée du Sud. Donc voilà, on va aborder ça et puis on terminera par la culture. Quelques points de la culture qui peuvent vous intéresser. Donc pour commencer, on nous demande souvent quelle ville choisir quand on arrive en PVT en Corée.
Séoul, c'est clairement la ville la plus choisie, non seulement parce que c'est la ville qui évoque le plus de choses en Corée du Sud, c'est une grosse ville où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de bars, de restos, de magasins, il y a une, vraiment c'est très bouillonnant. Quand on est jeune, c'est une ville où on a envie de vivre. C'est une ville de presque 10 millions d'habitants. Et aussi, quand on ne parle pas coréen, c'est pas la seule option en Corée, mais disons peut-être l'option la plus facile pour vous pour rencontrer des gens, pour vous intégrer, pour travailler. Si vous choisissez Busan plutôt, là c'est plutôt 3,5 millions d'habitants, donc quasiment 3 fois moins qu'à Séoul. C'est une ville qui va être globalement moins chère, où il y aura moins de concurrence avec d'autres étrangers. Par contre, on a tendance à conseiller de parler au moins un peu le coréen, parce que ça peut être un petit peu plus compliqué. Et j'ai entendu dire, et ça je peux pas vous le confirmer, que l'accent busanais était pas évident non plus, qu'il est assez fort. Donc si c'est Busan qui vous intéresse, peut-être essayez de voir des vidéos de personnes qui viennent de Busan pour voir un petit peu de quel accent on parle, si c'est à peu près gérable selon vous. Si vous décidez d'aller ailleurs en Corée, ça peut être là aussi vraiment, je pense que c'est indispensable de parler coréen, au moins un niveau minimum, voire intermédiaire, parce que il y aura moins de personnes qui parleront anglais et encore moins évidemment de personnes qui parlent français. Je vous montre rapidement quelque chose qui est issu de notre guide des PVTistes, excusez-moi, en Corée du Sud. Je vais y arriver comme ça. Et donc, c'est la page d'introduction de la partie tourisme pendant un PVT dans le guide des PVTistes en Corée du Sud. Et donc, vous allez voir qu'en dessous, on vous détaille plein de choses. Évidemment, pendant votre PVT, j'espère que vous aurez l'occasion de voyager un peu partout. Mais peut-être que vous déciderez de vous installer dans un endroit différent des autres. C'est pas du tout infaisable. Si vous avez des contacts avec des Coréens qui vivent ailleurs, ou si vous parlez bien coréen, comme on le disait, ce genre de choses, vous pourriez tout à fait décider de vivre votre PVT ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de vivre à Séoul ou à Busan. C'était ma petite précision. C'est à vous d'en juger, bien évidemment. Et j'ai vu dans les questions qui ont été posées en commentaire hier et lundi qu'il y a quand même certaines personnes qui ont l'intention d'aller un petit peu partout dans le pays, et vous auriez tort de vous en priver là aussi. Le PVT, ça sert à ça. Et puis qui sait, si un jour vous avez un coup de cœur quelque part, ça pourrait être l'avantage du PVT, c'est de vous dire, ok, bah je repars pas dans 3 jours comme prévu, je vais rester 3 semaines ou 3 mois. C'est ce qui est cool avec le PVT. Sur PVTiste, on a un dossier qui compare Séoul et Busan que je vous invite à lire si vous hésitez entre les deux. On a également un article sur l'île de Jeju. Pour ceux qui pensent voyager un petit peu, on a également un dossier sur les transports en Corée du Sud qui peut être utile également. Et puis pour ceux qui prévoient de voyager, on a aussi un dossier qui parle des animaux de Corée du Sud. Si vous avez des animaux que vous avez absolument envie de voir, etc., ça peut être des pistes d'information pour aller à leur rencontre. Au moment de votre arrivée, vous allez devoir, on l'a évoqué hier et même lundi, vous allez devoir demander une alien card. Cette alien card, elle va vous être demandée si vous voulez travailler, pour prouver de votre identité, mais également pour ouvrir un compte en banque, une ligne téléphonique, même si vous allez voir pendant le Covid, il y a eu des petits changements là-dessus, donc je vais y revenir après. Et également, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, par exemple, votre alien card va vous être demandée, donc c'est indispensable de la demander. On a sur pvtis.net un dossier qui s'appelle En arrivant en Corée du Sud, les démarches administratives, dans lequel vous trouverez plus de précisions, même s'il y a aussi des informations là-dessus dans notre guide des pvtistes en Corée, bien évidemment. On évoquait également lundi le fait que quand vous vivez en Corée pendant plus de quelques mois, vous allez être automatiquement inscrit à la sécurité sociale coréenne qui va vous délester je crois que c'est 130 000 won par mois. Donc du coup, il y a beaucoup de PVTistes, comme ils ont déjà leur assurance PVT, qui préfèrent se faire exempter de cette sécurité sociale. Ça, je vous laisse le décider par vous-même. Mais comme je l'ai évoqué lundi, si vous décidez d'en bénéficier, pensez bien à vous radier de la sécurité sociale coréenne à la fin de votre PVT. Sinon, vous allez avoir encore les prélèvements qui continuent. Et si vous n'avez pas payé parce que vous avez fermé votre compte en banque, par exemple, vous aurez une dette auprès de la Corée. Donc attention à ça. Également, vous pouvez, c'est recommandé en tout cas, de s'inscrire sur le registre des Français établis hors de France si vous êtes français et auprès du consulat de Belgique en Corée si vous êtes belge. On va vous mettre là aussi deux liens en commentaire de la vidéo. S'inscrire comme ça auprès des autorités de son pays, c'est un moyen de rester en contact avec son pays si jamais il y a quelque chose d'important qui se passe. Ça peut être comment on appelle ça?
Un typhon, ça peut être des attentats, ça peut être une pandémie. Hein. Typiquement, au début de la pandémie, la France et la Belgique sont restés en contact avec leurs ressortissants aux quatre coins du monde et notamment les PVTistes. Ça peut vous être utile également pour voter. Là, je pense que pour les PVTistes français qui partiraient prochainement, pour les présidentielles, ça va être trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc, optez plutôt pour une procuration si vous souhaitez voter aux présidentielles et ou aux législatives en 2022. Si vous perdez vos papiers, c'est plus facile ensuite pour les autorités de votre pays de vous aider si jamais vous vous êtes inscrit auprès d'eux. Donc vraiment, je vous recommande de le faire. Pour la recherche de logement, vaste sujet. On ne recommande pas de chercher un logement à distance, surtout pour les logements. Comment dire, si c'est un logement temporaire, par exemple, vous allez en ligne, vous réservez une auberge de jeunesse, une guest house ou un Airbnb, bien sûr, vous pouvez le faire à distance. C'est toujours très important de savoir où on va dormir les premiers jours. Quand on sort de l'aéroport, après son vol, on a déjà assez de choses dans la tête pour devoir chercher un logement temporaire, bien évidemment. Ça, je vous recommande de le réserver à distance pour 3, 5, 7 jours, 10 jours, comme vous avez envie, le temps d'être tranquille pour chercher un logement à plus long terme si c'est ce que vous souhaitez prendre. Mais pour un appartement classique, vous le verrez, il faut payer des cautions, etc. On ne recommande pas de prendre quelque chose à distance, à moins vraiment que vous ayez quelqu'un de confiance sur place qui puisse aller faire la visite pour vous et qui va vous dire tout est bon, tu peux faire les démarches, c'est quelqu'un de confiance, l'appartement est bien, etc. Mais de façon générale, on vous recommande d'être sur place pour visiter vous-même. Les appartements ou les gaoshiwon ou toute autre chose que je vais évoquer dans la suite, puisqu'il y a plusieurs façons de se loger en Corée, ça vous évitera les arnaques, les photos qui avaient l'air super et puis en fait c'était la photo du logement le plus grand, mais vous on vous attribue le tout petit logement, dans un quartier qui ne vous plaît pas du tout, dans lequel vous auriez jamais décemment pris un appartement ou un logement quelconque là parce que c'est pas là que vous avez plein de choses à faire, que c'est pas là que vous avez envie de vivre. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'attendre d'être sur place. C'est un conseil que je donne en général à tous les PVTistes, quel que soit leur pays de destination. Alors pour ceux qui veulent avoir un appartement pour eux, un appartement à eux, il y a évidemment des façons de louer un appartement classique, c'est-à-dire que vous allez payer un loyer normal et vous allez payer une caution qui équivaut à 10 ou 20% de votre loyer et à la fin de votre séjour, vous allez récupérer votre caution. Ça existe, mais c'est pas forcément ce que vous voyez le plus. J'en ai vu, hein, j'en ai vu qui était la caution était équivalente à un mois de loyer. Bon, ça, honnêtement, c'est tout à fait gérable. Je regardais tout à l'heure justement pour vous donner les sites internet et ça, je pense que c'est pas problématique. Mais quelque chose que vous avez peut-être entendu plus souvent et qui se fait beaucoup effectivement en Corée, c'est un loyer décent ou petit ou assez petit et une énorme caution. Quand je dis énorme, c'est des cautions en millions de won. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 20 000 euros, ça peut même être plus. Et là, on se dit, ok, ce pays est fou, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, souvent, quand les propriétaires demandent ça, ça correspond souvent à un tout petit loyer, voire à pas de loyer du tout quand la caution est énorme. Et en fait, les propriétaires, avec cet argent, avec votre argent, ils vont faire fructifier, ils vont mettre ça sur leur compte et ça va leur faire des intérêts, etc. Donc du coup, ils vont faire fructifier cet argent et ils vous rendront votre caution à la fin de votre séjour, là aussi. Encore une fois, si l'appartement n'a pas été dégradé, etc. Alors, qui a 10, 20, 30 000 euros à mettre dans une caution? Je suppose pas beaucoup d'entre vous. Donc, il y en a évidemment, il y a des cautions moins élevées avec des loyers plus élevés. Vous voyez, souvent, il y a un jeu entre les deux. Et donc, du coup, il y en a certains qui demandent à un proche, par exemple, à de la famille, parce qu'ils savent que c'est pas de l'argent qu'ils vont prendre pour toujours. Ils vont récupérer l'argent à la fin. Ça peut être une option, mais sinon, il va falloir se tourner plutôt vers des appartements où les cautions seront moins élevées, mais il y en a vraiment. Je vous rassure là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des inquiétudes et je le comprends tout à fait. Il y a quand même des annonces avec des appartements plus accessibles. Souvent, la caution va être moindre quand l'appartement est pas super récent, voire pas super tout court. Et puis quand les appartements sont nickel, totalement remis à neuf, etc., là, la caution peut être plus grosse. J'ai vu tout à l'heure sur des sites, des fois, il y a marqué clairement que le loyer est de 1 million de won. Et puis des fois, il y a marqué 500 ou 650. 500 000, 650 000, bien évidemment, en won, 500, ça ne représente rien. Donc quand vous verrez les annonces, bien évidemment, cliquez bien dessus pour voir exactement ce qui vous est demandé. À noter qu'en Corée, on peut tenter
de négocier son loyer, si vous êtes plutôt bon en négociation, et si vous parlez peut-être un peu coréen, ça dépend si le propriétaire parle anglais, ça peut être une baisse tout court, ou ça peut être un jeu, là aussi, entre la caution et le loyer. Si jamais vous trouvez que le loyer est un petit peu cher et la caution pas vraiment chère, peut-être que vous pourriez demander à augmenter un peu la caution pour baisser un peu le loyer. Je vous dis pas que ça va marcher, mais ça peut se tenter. Il y a des gens qui n'hésitent pas à passer par des agences. Alors vous allez voir qu'on va vous mettre des liens. Tout à l'heure, j'ai listé des sites de recherche d'appartements, des sites de recherche de guest house, donc les auberges de jeunesse, des sites de recherche pour des résidences internationales pour être en colocation avec d'autres jeunes, des sites de recherche de Gauchy Ones, je vais revenir sur ce concept après, et également une liste d'agences immobilières ouverte aux étrangers, parce que ce n'est pas toutes les agences immobilières en Corée qui vont être OK pour vous chercher un appartement. Donc tout ça, on va vous les mettre dans la foulée, vous verrez, il y aura plein de commentaires. Je vous précise que dans la foulée des lives qu'on fait, sur YouTube uniquement, parce que sur Facebook c'est plus compliqué, sur YouTube, dans la légende, on vous met tous les liens qu'on a préparés pour vous. Donc si vous voulez pas tout noter là pendant le live, notez que d'ici 13h30, vous aurez tous les liens en commentaire de notre replay sur YouTube. Donc voilà, peut-être que pour le moment, vous pouvez vous dire, OK, je verrai les liens plus tard et plutôt écouter ce que j'ai à vous dire, c'est vous qui voyez. Donc voilà, il y a des agences aussi qui peuvent vous permettre de trouver des appartements. Ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est systématique en Corée, mais il y a des gens qui disaient, notamment dans des vidéos YouTube, qu'il n'y a pas toujours des clés dans les appartements en Corée. Les clés sont souvent remplacées par des digicodes pour entrer dans votre appartement. Donc voilà, c'était un truc qui m'a surprise, donc je vous le dis. Quand vous signez un bail, bien souvent, c'est un bail d'un an. Parfois, il y a des possibilités d'avoir des baux de 6 mois. Mais pour quelqu'un qui a le projet de faire un PVT axé sur le voyage, justement, la question nous a été posée hier en commentaire. Est-ce qu'il faut prendre un appartement ou est-ce qu'il faut plutôt opter pour des logements temporaires parce qu'on veut voyager? J'ai tendance à penser que si vous faites des voyages le week-end ou, tu vois, des 4-5 jours à la suite par mois, par exemple, bon, bah, ça peut valoir le coup d'avoir un appartement. Par contre, si vous avez le projet de voyager 2 semaines par là, 3 semaines par là, 1 semaine par là, peut-être qu'avoir un appartement à l'année, ça va vous coûter un peu cher pour rien, sauf si vous avez trouvé justement un logement où le loyer n'est pas trop élevé avec une caution un peu élevée. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup d'avoir un appartement fixe dans une ville où vous savez que vous allez revenir quasiment tout le temps. Comme ça, vous n'avez pas à rechercher d'appartement à chaque fois, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir, je dirais. Après, pour ceux qui pensent faire, par exemple, du volontariat pendant 2 mois en zone rurale en Corée, c'est dommage de payer un appartement pendant 2 mois. Donc, ça peut valoir le coup vraiment de ne pas prendre un appartement pour un an. Ne vous sentez pas obligé de prendre un appartement pour un an. Il y a d'autres options, OK, dont je vais parler après. Ensuite, notez que si vous faites de la colocation, donc justement, on évoquait le fait qu'il y a des résidences internationales qui existent, ça s'appelle des shared house, des maisons partagées. L'avantage, c'est que bah, vous avez des grands appartements avec des grands espaces communs et que la caution, elle est divisée par le nombre de personnes qui sont dans l'appartement. Donc du coup, ça peut permettre d'avoir accès à un beau logement tout en ne se ruinant pas et puis être avec d'autres jeunes avec qui vous allez rencontrer plein de gens. Vous verrez qu'on n'a pas mis 36 sites de recherche de résidence internationale. C'est un groupe Facebook qui s'appelle 42 Share, 42 Share, partage quoi. Et dessus, il y a des annonces, mais peut-être que vous pourriez en trouver d'autres. On avait plus de liens dans le guide des PVTistes en Corée, mais certains aujourd'hui aboutissent à des sites qui n'existent plus. Donc voilà, il y a sans doute d'autres, peut-être, résidences internationales qui vont faire leur apparition. Et donc tout ça, on va pouvoir le mettre à jour aussi en 2022 sur PVTiste. Notez que de façon générale en Corée, l'état des lieux n'est pas systématique. Comme vous donnez une caution, et certaines fois vous l'avez compris, une caution immense, c'est très important de faire un tour de l'appartement, de regarder bien les détails, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le sol qui se décolle? Est-ce qu'il n'y a pas des plinthes qui se décollent aussi? De la moisissure, des trucs comme ça? Parce que c'est très important de prendre des photos tout de suite et de les signaler au propriétaire, enfin que ce soit bien clair entre vous et lui qu'il y a des problèmes dans l'appartement pour que ça ne vous soit pas reproché à la fin de votre séjour et que ce ne soit pas pris sur votre caution. Alors, on nous a demandé, mais alors avec ces histoires de caution, comment être sûr de ne pas se faire arnaquer? Je comprends tout à fait, j'aurais eu la même crainte. Vous allez toujours devoir signer un bail hein, quand vous prenez un appartement comme ça pour 6 mois ou 1 an. Le bail, ça peut valoir le coup de le faire vérifier par un Coréen ou par un PVTiste sur place qui a un niveau de Coréen
plus confortable et qui lui-même a déjà vécu plusieurs mois en Corée, par exemple. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il ne faut pas négliger la puissance du réseau francophone, hein, les Français, les Belges, les Coréens. Je vous rappelle qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle PVTiste en Corée du Sud. Vous êtes en Corée et vous êtes tous francophones et vous êtes tous en PVT, donc c'est important de vous serrer les coudes. Peut-être que quelqu'un acceptera de venir avec vous à la visite, ou peut-être pas à la visite, mais à la signature du bail, pour vous dire, bah moi, mon bail, il n'était pas comme ça, c'est bizarre. Ou je pense qu'il n'y a pas tant d'arnaques que ça. Mais du coup, ça peut vous rassurer d'avoir quelqu'un qui va vous dire, moi, j'avais exactement le même bail, c'est bon, tu peux signer. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite, les Gochiwon que j'évoquais tout à l'heure. Alors, les Gochiwon, ça va être des tout petits appartements. En fait, ça va être des endroits où il va y avoir un couloir et pas mal de chambres différentes à la suite. Et donc, dans ces petites chambres, vous aurez ou non une douche et vous aurez ou non une fenêtre même. C'est pour ça que c'est très important de visiter ce genre de choses, parce que parfois, il peut y avoir dans la même résidence, entre guillemets, un gochiwon un peu grand avec une fenêtre, etc., et une douche, et puis d'autres où il n'y a rien du tout parce que c'est moins cher. Voilà. Là, il n'y a pas de caution à payer. Il n'y a pas de charge à payer non plus. C'est inclus avec le Wi-Fi également. Et il y a généralement une laverie dans la résidence. Et parfois, vous avez même accès à de la nourriture gratuite, etc. Pardon. Et donc, ça peut être financièrement plus intéressant pour vous. Voilà, faites attention à ne pas faire là non plus de réservation depuis votre pays d'origine. Il faut toujours visiter pour être sûr que ça vous convient, et n'hésitez pas à en visiter plusieurs aussi. Voilà, à noter que quand vous allez, on va vous mettre là aussi des liens de Gochiwon, de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des Gochiwon, mais notez aussi que même dans la rue, vous pourriez en trouver, vous pouvez en voir en fait. Donc c'est important d'identifier le mot en coréen, le mot Gochiwon, pour savoir qu'il y en a dans telle ou telle rue, parce que vous pourriez aller visiter quelque chose au gré d'une balade et trouver l'appartement, enfin le Gochiwon qui vous convient. J'ai vu sur notre forum de discussion qu'il y a plein de gens qui disent, bah en fait Gochiwon, moi non, parce que quand on calcule le tout, bah c'est pas forcément moins cher, vraiment moins cher. Évidemment, dans les autres, on a bien compris, c'est la caution qui pose problème. Peut-être que quelqu'un pourrait vous prêter ce montant de la caution dans votre pays d'origine pour la payer et avoir accès à un appartement à vous avec le confort, etc. C'est une vraie question à se poser quand on se loge en Corée. Ensuite, il existe ce qu'on appelle des boarding houses, alors je vais essayer de prononcer bien en coréen, azukjib, quelque chose comme ça. En gros, historiquement, c'est des maisons qui risquent d'être tenues, un risque, c'est pas le mot, mais qui sont souvent tenues par des mamies coréennes. Et dedans, il y a plusieurs étudiants qui vivent. Souvent, c'est des Coréens. Et donc, du coup, ils ont tendance à accepter des étrangers, mais qui parlent coréen, parce que normalement, ça inclut les repas, donc vous allez peut-être manger ensemble, etc. Donc, voilà, ça peut aussi être une option, ce azukjib, des boarding house. C'est pas ce que j'ai vu le plus dans les témoignages, mais ça reste une option supplémentaire pour vous. Ensuite, il y a l'auberge de jeunesse. Alors, l'auberge de jeunesse, ça peut être bien au début du séjour, ou pour quelqu'un qui va être vraiment nomade pendant son PVT et qui veut pas s'engager avec un bail, etc. Ça peut être un mix, hein, un peu de Gochiwon au début, de l'auberge de jeunesse ensuite, ça c'est à vous de déterminer. Le truc, c'est que vous aurez vraiment pas d'intimité, parce que bien souvent, vous allez dormir en dortoir. Il y a des chambres individuelles, mais c'est forcément plus cher. Donc là, ça devient pas forcément très intéressant sur le long terme. En tout cas, en dortoir, généralement, c'est intéressant de se loger en guest house. C'est une bonne solution temporaire. N'hésitez pas aussi, ça se fait assez souvent en Corée comme ailleurs, vous pouvez demander aux guest house si elles ont besoin de quelqu'un pour faire le ménage quelques heures par jour. Et dans ce cas-là, ça peut vous permettre de ne pas payer votre lit en dortoir contre ces heures de travail tous les jours. Donc voilà, et souvent quand vous faites ça, ils vous demandent de vous engager au moins sur un mois. Donc ça peut être une bonne solution. Je trouve que souvent, dans tous les pays du monde qui font ça, je trouve que le lit en dortoir vaut pas vraiment le temps de travail que vous faites. Voilà, souvent vous travaillez un peu trop à mon goût, mais c'est quand même une solution pour ne pas payer son logement, donc ça peut être une opportunité. Pour chercher, donc je vous ai dit, on va vous mettre, ou on a peut-être déjà commencé à vous mettre des liens de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des choses. Il y a aussi des groupes Facebook qui existent, j'en ai noté pour les appartements, enfin pour tout ce qui est location, on en a noté deux pour Séoul et un pour Busan. Il y en a sans doute d'autres. Vous pouvez regarder un petit peu en tapant rent
Korea ou Rent Seoul ou Rent, on dit pas Seoul, on dit Seoul en anglais, Rent Busan ou ce genre de choses, et peut-être trouver d'autres opportunités, mais en tout cas, les groupes qu'on vous a mis, c'est ceux qui étaient un peu les plus gros. Évidemment, en début de séjour, Airbnb est totalement une option. C'est juste que quand vous arrivez dans le pays, si vous voulez tout de suite rencontrer des gens, commencer à vous faire un peu un réseau, vous faire des copains, etc., l'auberge, c'est un peu froid. Le Airbnb, pardon, c'est un peu froid par rapport à l'auberge. Donc, je recommande pas forcément le Airbnb au début, mais peut-être plus tard, lors de voyages, quand vous n'êtes pas forcément dans une humeur de rencontrer plein de gens et d'être en dortoir, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'est pas toujours dans une humeur égale tout au long d'un PVT. Il y a des fois, on a envie de rencontrer des gens. On est hyper avenant, etc. Et puis des fois, on est un peu dans sa bulle. Et dans ce cas-là, un Airbnb peut être une option qui permet, voilà, d'avoir un logement différent encore et d'être tranquille. Ensuite, notez que dans beaucoup d'anciens immeubles en Corée du Sud, il y a parfois votre salle de bain, c'est la douche, le lavabo et les toilettes dans la même pièce sans bac de douche. Je vous laisse imaginer l'inondation dans la salle de bain, j'exagère l'inondation, mais en gros c'est très humide. Faites bien attention à aérer votre salle de bain ou à allumer pas la clim, mais la VMC ou quelque chose comme ça, parce que vous risquez sinon d'avoir des soucis de moisissure, etc. C'est pas super. Ça, c'est plutôt dans les anciens immeubles. J'ai vu récemment sur notre groupe Facebook des PVTistes en Corée, je crois bien, ou sur le forum, je sais plus, quelqu'un qui disait avoir reçu chez des amis chez lesquels elle avait indiqué loger en Corée, une lettre qui demandait 6 000 won à payer. Donc 6 000 won, c'est pas tant que ça, mais en fait, il semblerait que ce soit une sorte de taxe d'habitation, un impôt qui a été introduit en 2014 a priori en Corée du Sud. Et donc ce qu'elle comprenait pas, c'est pourquoi d'autres de ses amis n'avaient pas eu cette demande. Là. Mais en fait, le problème, c'est que si vos amis, enfin si les amis en question ont donné une adresse à laquelle ils ne vivent plus, le courrier, bah, il est arrivé, il a été jeté ou il a été retourné à l'envoyeur. Et donc, du coup, si jamais vous recevez ce courrier-là après votre PVT, ça peut être votre taxe d'habitation et il faudrait idéalement la payer. Donc, ça voudrait dire aussi que si vous voulez être complètement réglo auprès des autorités coréennes, ça peut valoir le coup de faire en sorte que les autorités coréennes, à la fin de votre PVT, aient l'adresse de quelqu'un qui pourrait recevoir du courrier pour vous. Voilà, pour que si vous recevez cette fameuse lettre, vous soyez en mesure de payer les 6 000 won, quitte si c'est un ami de très très fiable sur place, lui faire un virement bancaire au moment où vous recevez cette lettre, ou éventuellement lui laisser 6 000 won en partant pour qu'il les paye plus tard. Enfin, je vous laisse voir un petit peu ça, mais a priori, vous devriez avoir à payer ça plus tard. Je vous le dis à toute fin utile, je pense qu'il y a des générations de PVTistes en Corée qui n'ont jamais payé ça parce qu'ils n'ont jamais reçu le courrier, mais je préfère quand même vous le dire. Pour meubler votre appartement, il y a deux marques de magasins qui ressortent pas mal. C'est Daiso, Daiso, et Artbox, Artbox. Je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, ça peut être des solutions pour payer, pour acheter des petites choses pas trop chères. On peut vous donner également comme lien notre dossier qui s'appelle Se loger en Corée du Sud et également notre autre dossier qui s'appelle Les quartiers de Séoul. Si c'est Séoul que vous choisissez, ça peut vous donner déjà un petit peu à l'avance une petite idée des différents quartiers. Vous retrouvez aussi ces informations-là dans notre guide des PVTistes en Corée. Je pense qu'il y a des choses qui vont être en doublon et puis il y a des choses qui peuvent un petit peu se compléter. Voilà. Pour en revenir au reste de la vie pratique pour la banque, c'est pas difficile en soi d'ouvrir un compte en banque en Corée du Sud. Il y a des banques qui sont ouvertes à ouvrir des comptes aux étrangers. On peut nommer notamment la HSBC South Korea. On peut nommer la Citibank South Korea, la Woori Bank, Woori, ou encore la Kebana Bank, Kebhana. Vous les retrouvez là aussi dans le guide des PVTistes. C'est des banques dans lesquelles vous pouvez aller avec votre passeport et votre Alien Card et vous pouvez ouvrir un compte. Après, vous n'êtes pas sûr de tomber sur quelqu'un qui parle une autre langue que le coréen. Donc parfois, on recommande, si vous avez un coréen dans votre entourage ou un PVTiste un petit peu plus dérouillé en coréen que vous, d'y aller à deux. Après, chaque année, il y a des gens qui le font tout seul. Au pire, ça prend 3 fois plus de temps. C'est l'occasion pour vous de pratiquer votre coréen. Ça vous fera sourire après coup. Vous finirez toujours par réussir à ouvrir votre compte en banque. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Vous aurez aussi besoin d'un numéro de téléphone coréen pour ouvrir votre compte en banque. Et vous aurez besoin, je l'ai lu pas toujours, mais je l'ai lu plusieurs fois, que c'est bien d'avoir aussi votre visa vacances-travail pour prouver que vous êtes là pour une durée plus longue. Parce que parfois, il y a certaines banques qui vont dire, mais là, vous avez besoin d'un compte, pourquoi? Ça peut arriver que le banquier vous dise, bah, je veux être sûr que vous ayez vraiment besoin de ce compte. Donc, est-ce que vous avez un contrat de travail qui prouve que vous ayez besoin de recevoir de l'argent? Si jamais vous tombez sur ce genre de banquier, ça peut être bien de venir au cas où avec un itinéraire de voyage en Corée, un petit peu ce que vous aurez peut-être mis dans votre lettre de motivation ou pour les Belges dans votre itinéraire de voyage en Corée, parce que comme ça vous allez lui montrer, ah, mais moi j'ai besoin d'une carte coréenne, je vais aller partout, je peux pas me permettre de faire ça avec ma carte française ou belge par exemple. Et normalement, il y a personne qui se fait refuser l'ouverture d'un compte en banque dans les banques qui sont familières avec tout ça. S'il y a des questions sur la banque, je vous rappelle que le 4 avril, sur notre compte Instagram PVTiste, on fera l'interview en direct de Leïla et Mohamed et on pourra leur poser la question de la banque, bien évidemment, pour voir comment ça s'est passé pour eux. Il y a quelqu'un qui me demandait hier si il y a besoin forcément d'ouvrir un compte en Corée ou si on peut se prendre un compte en ligne. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de banques en ligne comme ça qui permettent d'utiliser une carte à l'international. Mais en fait, pour toucher de l'argent en Corée, vous aurez besoin d'avoir un compte coréen. Un employeur coréen n'acceptera certainement pas de faire un virement vers un compte français ou allemand. Hein. Ça dépend un petit peu de la carte du compte de la banque en ligne, pardon, dans laquelle vous avez ouvert un compte. Mais vraiment, c'est important d'ouvrir un compte en Corée. J'aurais dû traiter ça avant puisqu'il faut un numéro de téléphone coréen pour ouvrir son compte en banque, mais on passe à la téléphonie. Alors, si jamais vous avez un téléphone récent ici, vous pouvez l'emmener en Corée du Sud, hein, ça va fonctionner. Par contre, vérifiez bien qu'il est désimloqué. C'est généralement le cas. Vous pouvez le demander en tout cas après un an chez votre opérateur ici ou si vous avez un contrat sans engagement, si votre téléphone n'est pas vraiment lié, vous n'avez pas acheté votre téléphone en prenant votre forfait téléphonique, vous n'avez pas d'engagement, mais vérifiez juste que votre téléphone peut accepter des cartes SIM de n'importe quel opérateur. Et si vous avez un doute, vous prenez la carte SIM d'un ami qui est chez un autre opérateur, et si ça marche, c'est que c'est bon. Les trois opérateurs principaux historiques hein, de la Corée, c'est SK Telecom, KTF et LG Telecom. Il peut exister aussi des low cost comme Kimchi Mobile que j'ai vu passer. J'en ai pas trouvé vraiment d'autres. Je pense qu'il y en a forcément d'autres, mais je suis pas sûre. J'en ai pas vu passer beaucoup sur Internet, mais je pense que sur place, vous aurez plus de facilité à en trouver d'autres. Vous allez pouvoir prendre un forfait mensuel en vous engageant un peu, par exemple, sur un an ou à recharger tous les mois, par exemple. Et normalement, la ligne card est requise pour signer un contrat pour un forfait, que ce soit un forfait mensuel ou rechargeable. Par contre, ce que j'ai lu sur Internet, c'est que à cause du Covid, les gens, en arrivant en Corée, devaient avoir un numéro de téléphone coréen, peut-être pour être joint par les autorités coréennes. Et donc, actuellement, mais je ne sais pas si ça va durer dans le temps, donc là, encore une fois, on est le 18 mars 2022. Si jamais vous tombez sur ce live dans quelques mois, peut-être que cette information aura changé. Mais en tout cas, actuellement, il est possible de récupérer, d'acheter une carte SIM à l'aéroport d'Incheon à Séoul dans un 7-Eleven, hein, les magasins, les convenience stores, les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Corée. Donc il y a plusieurs marques qui existent, mais la plus connue, c'est les 7-Eleven, 7-11. Et donc ce que j'ai noté, c'est que pour trouver des 7-Eleven à l'aéroport en Corée à Incheon, dans le terminal 1, c'est au niveau 1, dans le hall des arrivées aux portes 5, 10 et 13, et au terminal 2, c'est dans le hall des arrivées au niveau 1, à la porte 6. Et donc ça vous permettra d'acheter une carte SIM d'une validité de 1 jour à 30 jours, en sachant que pour 30 jours, c'est 52 euros, et que de ce que j'ai vu sur Internet, ça n'inclut, enfin, pour ceux qui vendaient ça n'incluait pas les appels sortants. Donc on peut vous appeler, mais vous ne pouvez pas appeler, sauf si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez passer des appels, bien évidemment, avec WhatsApp, par exemple. Mais ça, j'ai envie de vous dire que même sans carte SIM, ça doit fonctionner normalement. Je pense. Donc voilà, c'est pas idéal, mais pour ceux qui m'ont posé, la personne qui m'a posé la question hier de si on peut avoir une carte SIM à l'aéroport, oui, en tout cas en ce moment ça a l'air faisable. Est-ce que ce sera le cas après? Je ne sais pas. Et surtout financièrement, c'est pas hyper intéressant.
Vous allez sans doute devoir switcher ensuite pour un autre forfait. Donc, ce que j'ai regardé tout à l'heure, je suis allée sur le site SK Telecom, qui est le premier opérateur en Corée. Et donc, le forfait le moins cher, c'est 55 000 won par mois, soit l'équivalent de 40 euros. C'est appel et SMS illimité, 10 gigas d'Internet inclus. Et après 10 gigas, pouf, le débit baisse. Donc voilà, 40 euros, 10 gigas, on n'est pas sur les prix qu'on connaît en France et je crois en Belgique aussi. Si vous voulez payer moins cher, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu l'opérateur Kimchi Mobile. Pour 39 000 won, vous avez 15 gigas d'Internet par mois, mais vous avez 100 minutes d'appel et 100 SMS. Je pense que les SMS, c'est pas bien grave. Vous pouvez vous en passer parce qu'il y a WhatsApp et d'autres applications comme KakaoTalk, etc. KakaoTalk, c'est vraiment, je pense que vous la connaissez déjà, l'application numéro 1 en Corée du Sud. Je me rappelle une fois quand on a fait le salon du PVT numéro 1. La Corée, les autorités coréennes n'ont pas pu venir sur le salon, mais il y a eu deux PVTistes qui sont venus représenter la Corée pour raconter comment ça s'est passé pour elles, etc. Et donc, c'était trop sympa. Il y a c'était le consul de Corée en France qui nous a invités toutes les trois au restaurant. Moi pour avoir organisé le salon et elles deux pour avoir témoigné. C'était trop gentil. Et en fait, il nous a donné son contact KakaoTalk, quoi. C'est vraiment une application où on peut avoir le contact de tout le monde. C'est pas du tout réservé à son petit cercle d'amis ou ce genre de choses. Et donc, notez qu'en Corée, il y a la Wi-Fi un peu partout. Dans les espaces publics. Donc, si jamais vous n'avez pas un forfait 60 gigas, vous aurez quand même beaucoup d'opportunités d'avoir de la Wi-Fi, mais vous devrez réfléchir à switcher en Wi-Fi régulièrement. Après, c'est sûr que si vous avez 15 gigas, je ne sais pas quelle est votre utilisation aujourd'hui. Moi, j'ai un forfait 60 gigas ici, je m'en sers pas du tout parce que je suis chez moi pas mal de temps et donc j'ai le Wi-Fi chez moi. Et puis, quand je suis dehors, bah, je m'en sers. Mais voilà. Après, je sais que les plus jeunes générations ont tendance à l'utiliser beaucoup dehors. Et donc, du coup, faut essayer de trouver peut-être un forfait qui vous convient le mieux pour ne pas avoir un débit vraiment baissé une fois votre quota atteint. Ensuite, pour ce qui est de conduire, on l'a évoqué lundi, mais comme vous étiez peut-être pas tous là lundi, je vais le répéter. Vous avez le droit de conduire en Corée, mais en plus de votre permis de conduire français, vous devrez demander un permis de conduire international en France auprès de servicepublic.fr. C'est une démarche qui est gratuite, mais qui peut prendre 3-4 mois, donc anticipez bien ça. Et puis, si vous partez avant parce que vous n'avez pas pensé à faire cette démarche, peut-être qu'un proche peut le recevoir pour vous et vous l'envoyer par Chronopost, UPS ou DHL, pour vous l'envoyer en Corée. Les Belges, normalement, vous avez, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas il y a quelques mois, sur le permis de conduire belge, apparemment vous avez plusieurs langues, donc ça devrait être bon pour vous. Je vous laisse vérifier ça pour conduire en Corée. Notez que vous avez le droit de conduire en Corée avec un permis de conduire plus permis de conduire international ou pas. Quand le permis est traduit aussi en anglais, je pense, parce que normalement, le permis international, c'est une traduction en anglais. Donc, si c'est ça qui passe pour les Français, je pense que les Belges et les Canadiens, si vous avez des permis de conduire qui sont écrits en anglais, normalement, vous êtes tranquille. En tout cas, avec tout ça, vous avez le droit de conduire un an sur le territoire coréen. Si on reste plus d'un an, par exemple, en visa étudiant ou en visa de travail, parce qu'on a un employeur qui a bien voulu faire des démarches pour nous faire rester et que la démarche a abouti, hein, je vous l'ai dit hier, c'est pas si simple que ça de rester après un PVT. Là, il faudra switcher, enfin, il faudra remplacer votre permis de votre pays d'origine par un permis coréen. Pour ce qui est de la nourriture, c'est globalement pas trop cher, à partir de 5 euros environ, pour manger dehors quand on mange local. Si on va dans des restos internationaux, on peut payer le double, voire le triple. Même chose quand on fait ses courses, bien évidemment, hein. Si vous cherchez à manger du fromage, de la charcuterie, etc. française, vous risquez de payer assez cher, voire de ne pas en trouver. Par contre, si vous mangez local, c'est pas très très ruineux de manger en Corée du Sud. À noter qu'il y a beaucoup de viande dans la nourriture coréenne et que ça m'a beaucoup étonnée quand je l'ai lu. Je l'avais déjà lu il y a longtemps quand j'avais relu le guide des PVTistes en Corée. Ils ont tendance en Corée au restaurant à mettre beaucoup de ham, de jambon dans les plats et à pas considérer que c'est de la viande. Genre si vous dites je ne mange pas de viande, il est possible qu'ils disent ok c'est bon et en fait dedans il y a du jambon. Faites très attention à ça. Donc bien insister sur le fait que vous mangez pas de viande, pas de ham. Si par exemple vous êtes végétarien, vegan, ou si vous ne mangez pas de porc, pour des raisons religieuses par exemple. Donc c'est important de faire attention à ça parce que vous pourriez par erreur en manger. Donc voilà, faites attention à ça. À noter que si vous allez au restaurant en Corée, on ne donne pas de pourboire. Ça fait pas partie de la culture du restaurant. J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui avait vraiment voulu donner un pourboire à une serveuse qui était super. Il lui a donné discrètement à elle en partant et elle était super contente. Mais si vous laissez sur la table, etc., on pourrait vous rattraper pour vous le rendre. Donc,
On ne donne pas de pourboire, c'est OK, personne ne se dira, bah dis donc, quel radin. C'est pas du tout comme des cultures nord-américaines, par exemple, où le pourboire est absolument indispensable, sinon on va vous dire, mais il s'est passé quoi pour que vous me donniez rien? Enfin voilà, c'est pas du tout la même culture. Donc je dis ça notamment pour les PVTistes canadiens, à qui ça va faire très bizarre de ne pas laisser de pourboire, puisqu'au Canada, on en laisse systématiquement. N'en laissez pas, c'est absolument OK. Vous avez, on le disait tout à l'heure pour les cartes SIM à l'aéroport, des petites supérettes ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est absolument génial. Donc il y a notamment la marque 7-Eleven, hein, 7-11, qui est super pratique. Moi je l'avais beaucoup connue au Canada et aux États-Unis, mais c'est aussi beaucoup en Corée, je crois aussi, et au Japon, cette marque est présente. C'est hyper pratique à tout moment du jour et de la nuit. Si vous avez besoin d'acheter à boire, à manger, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de produits qui sont adaptés au régime végétarien, parce qu'il y a beaucoup de produits à base de soja et de lait végétaux notamment. Donc si vous êtes végétarien, ce sera bon pour vous. Pour tout ce qui est nourriture halal ou cachère notamment, dans le quartier de Séoul, Itaewon, vous avez des épiceries spécialisées. Je vais revenir un petit peu après sur ce sujet-là. Mais effectivement, vous avez des possibilités de manger des produits qui vous intéressent. Mais vous verrez qu'on va donner des liens vers des témoignages. Et il me semble que quand même, l'aspect nourriture, je pense notamment à ceux qui veulent manger halal, parce qu'on a beaucoup plus de témoignages de musulmans que de juifs. Donc du coup, pour le cachère, j'ai pas énormément de choses à dire. Mais pour la nourriture halal, j'ai senti que c'était le point le moins facile, peut-être quand on quitte Séoul. Donc il faudra pas hésiter à lire les commentaires, les témoignages pour prendre un petit peu tous les conseils possibles pour réussir à trouver des restaurants ou des supermarchés ou trouver de la nourriture halal. Pour tout ce qui est régime vegan, j'ai pas trouvé vraiment de témoignages. Bon, évidemment, on parlait au-dessus de produits à base de soja et de lait végétaux, donc ça peut vous intéresser. Mais après, c'est vrai que, bon, après, vegan, c'est aussi, c'est pas que la nourriture, donc voilà. Mais si un jour quelqu'un veut témoigner là-dessus, soit parce qu'il est vegan, végétarien ou autre, ce serait intéressant qu'on ajoute un témoignage tel que celui-ci sur pvtist.net, une fois que vous aurez vécu en Corée, que vous aurez des petites adresses, etc. Pour les vêtements, on en parlait hier. Les Coréens sont des petits formats, notamment les femmes. Donc, il y a beaucoup de petites tailles pour les chaussures pour les femmes. Pour les vêtements, surtout pour le bas, puisqu'en haut, il y a pas mal de. Il y a la mode qui fait que les vêtements oversize fonctionnent bien, notamment les t-shirts. Et notamment pour la lingerie également. Donc, attention à bien prévoir, peut-être si vous n'êtes pas dans ces codes-là de physiquement, de prendre un petit peu plus de vêtements pour être sûr de ne pas en manquer pendant votre séjour. Pour l'alcool et la cigarette en Corée, c'est très consommé en Corée. Les Coréens fument beaucoup et boivent beaucoup. Donc, si vous fumez pas, ça peut être quelque chose qui va vous gêner à un moment donné, parce que vous allez souvent être avec des gens qui vont fumer. On ne fume pas dans les lieux publics et on ne fume pas aussi dans la rue non plus, sauf dans des coins fumeurs. J'avais vu ça quand j'étais au Japon. Effectivement, il y a des petites zones comme ça où les fumeurs se regroupent pour fumer et dans le reste, des endroits, on ne fume pas. On parlait hier des oésiques. Les oésiques, c'est donc ces soirées qu'on va faire avec ses collègues ou même entre étudiants, qui sont un peu obligatoires, pendant lesquelles on va boire à outrance, etc. Je donnais des conseils hier pour ceux qui ne veulent pas boire ou qui ne peuvent pas boire pour raison. Enfin, c'est peut-être veulent et peuvent pas boire pour des raisons de religion également. Pour une raison de religion, pour une raison de santé, parce que vous êtes malade actuellement ou parce que, comme je donnais l'exemple hier, demain vous faites un marathon, on vous excusera de pas boire. Par contre, les autres, pas vraiment. C'est en gros, faut se lâcher, hein, faut boire, etc. C'est un concept un petit peu spécial, mais ça peut être intéressant de s'y intéresser. Si à un moment donné, vous intégrez une entreprise pendant plusieurs mois, vous allez être invité à ce type d'événement. Par contre, tout ce qui est autre substance, c'est pas hyper bien vu en Corée du Sud et les peines sont plus dures que ce qu'on peut connaître chez nous. Voire, si vous êtes canadien, par exemple, le cannabis est totalement toléré au Canada puisque ça a été légalisé, même s'il y a des peut-être il y a des conditions quand même pour sa consommation et le fait d'en faire pousser. Mais en tout cas, en Corée, c'est pas comme ça. Donc, faut pas arriver en Corée avec, bien évidemment. Et sur place, pareil, c'est pas quelque chose d'aussi courant. Je n'ai pas vécu sur place, donc je peux pas donner de témoignage vraiment. Mais je sais que les peines sont plus dures, donc attention à tout ça. Pour la santé, il y a plusieurs hôpitaux et cliniques dans le pays, certainement plus à Séoul qu'ailleurs, qui ont des services internationaux. On vous a donné des noms d'hôpitaux et de cliniques dans le guide des PVTistes en Corée du Sud. Ça vous permettra notamment de parler peut-être avec quelqu'un qui parle anglais, voire français, on ne sait jamais.
On a plusieurs dossiers qu'on va vous mettre en commentaire. Donc le premier, c'est Vivre à Séoul pour ceux qui choisissent cette ville-là. C'est un dossier qui date un peu, mais qui va quand même vous donner pas mal d'informations intéressantes. On a également deux contenus sur la nourriture coréenne, pardon. Le premier, c'est un aperçu de la cuisine coréenne, et le deuxième, c'est 8 plats coréens étonnants. Étonnant, qui vous font des haut-le-cœur aussi. Vous verrez, les photos sont assez parlantes. Donc voilà, ça peut être intéressant. On a une discussion de notre forum qui s'appelle la téléphonie en Corée du Sud, qui date un peu, mais où il y a aussi des informations, des gens qui en parlent, qui font des retours d'expérience. Et enfin, on a un dossier générique sur le PVT qui s'appelle la contraception et l'IVG dans les pays du PVT. Je pense notamment aux personnes qui souhaitent partir avec une contraception. Peut-être que vous en changerez avant pour que ce soit plus pratique pendant votre séjour. Et notez par exemple que comment s'appelle, la pilule du lendemain nécessite d'aller voir un médecin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est assuré par une assurance PVT, aller chez le médecin pour avoir une pilule du lendemain, c'est pas à proprement parler un problème de santé. Et donc du coup, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'en emmener une dans votre valise pour le cas où un jour vous auriez besoin d'y avoir recours. Ça vous éviterait les frais d'aller voir le médecin et de payer aussi la pilule du lendemain. Ça peut toujours être utile. Ensuite, bah, pour tout ce qui est, excusez-moi, je parle de sujets qui sont pas très joyeux, hein, qui, j'espère que vous ne serez pas concernés parce que c'est finalement jamais vraiment très agréable d'être confronté à ça. Mais n'hésitez pas, pour tout ce qui est avortement, à consulter notre dossier thématique. On a essayé vraiment de faire quelque chose d'assez complet pour tous les pays du PVT et d'évoquer aussi les différentes contraceptions qui peuvent vous permettre de voyager plus tranquillement, etc. Donc, je vous laisserai regarder ça. Ensuite, on va parler relations avec les Coréens et ouverture d'esprit, intégration. Donc, pour ce qui est de la relation avec les locaux, bien évidemment, la question du coréen se pose. On a un dossier thématique sur pvtis.net qui s'appelle Apprendre le coréen. Et au chapitre 7, on aborde le fait d'apprendre le coréen sur place. Il y a des choses qui pourront vous intéresser. Vous verrez notamment qu'au Global Seoul Center, il y a des cours de coréen qui sont dispensés gratuitement. Par contre, ils peuvent être pris assez rapidement vu qu'ils sont gratuits. Et donc, informez-vous bien sur les dates de début de chaque session pour pourquoi pas vous y inscrire. On vous a mis également en lien. Est-ce qu'on vous l'a mis en lien là ou est-ce qu'on vous l'a mis dans le guide des PVT? C'était gentil. Non, on va vous le mettre en lien là. Un lien sur le site Meetup que j'évoquais hier, qui est un site sur lequel vous pouvez faire des rencontres, typiquement pour des cafés linguistiques, c'est-à-dire que les gens viennent et parlent dans toutes les langues du monde. Vous avez peut-être même déjà fait ça dans votre pays d'origine. Mais également, il peut y avoir d'autres choses, aller faire une balade dans la ville, ce genre de choses, aller visiter un musée, etc. Ça peut être bien pour rencontrer des gens. Ensuite, pour vivre avec les Coréens, notez qu'il y a quand même des codes entre guillemets à respecter en Corée. On disait hier de ne pas faire la bise ou serrer la main, on touche pas les gens en Corée, hein, ça fait partie quand même des choses importantes à savoir, mais aussi dans les relations. C'est une culture qui évite les conflits. C'est-à-dire que on va arborer un sourire de façade sur pas mal de situations, notamment quand ce que vous avez fait, c'est pas super bien. On en parlait hier dans le monde du travail, c'est pas parce qu'on vous sourit toute la journée que ce que vous faites, c'est bien. On aura du mal à vous dire que votre travail n'est pas bon ou à vous dire que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire là tout de suite. On va essayer de vous le dire autrement, avec un sourire, etc. Donc, il faut vraiment réussir à décrypter le comportement, enfin l'attitude des Coréens. Et pareil, c'est très mal vu en Corée ça ne se fait pas, de faire perdre la face à quelqu'un. Par exemple, l'humilier peut-être humilier, c'est un mot fort, pardon, dire à quelqu'un, top, je suis pas du tout d'accord avec toi, regarde, je te prouve par A plus B que tu as tort. Et la personne a tort, vous lui avez fait perdre la face. C'est un des pires trucs que vous puissiez faire à un Coréen. Il faut être beaucoup plus doux dans ses propos, faut beaucoup moins, dire t'as tort. C'est plutôt, ah, t'es sûr? Vraiment essayer de prendre plus de tact, vraiment peut-être tourner un petit peu plus autour du pot, parce que faire perdre la face à un Coréen, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Pour la question de la sécurité, on l'a évoqué lundi. Alors, la Corée, c'est une société très patriarcale. La femme a une image un petit peu de petite chose à protéger, très féminine, toute douce, qui fume pas, bien sûr, parce que fumer, c'est mauvais pour le corps. Donc, ce sera pas très bien vu si vous êtes fumeuse, par exemple. Ça, c'est la partie, petite chose à protéger. Et puis de l'autre côté, c'est quand même une société assez sexiste.
Il faut savoir que il y a des problèmes d'agression, agression sexuelle en Corée du Sud. À Busan notamment, ils ont mis en place des wagons aux heures de pointe dans lesquels seules les femmes peuvent entrer pour éviter qu'il y ait des agressions sexuelles en fait dans le métro. Je sais que Taïwan, n'importe quoi, que Séoul y avait pensé aussi, l'a évoqué avant la pandémie et puis sans doute que la pandémie a repoussé les choses. Voilà, faut quand même se rendre compte que c'est pas parce que tout le monde est hyper sympa en Corée du Sud, etc., qu'il n'y a pas ce problème-là. On l'a dans beaucoup de pays du monde, hein, il y a des problèmes de ce type-là, notamment en France et en Belgique, on le sait bien. Eh bien, mesdames, je vous annonce que c'est aussi le cas en Corée du Sud. Ça peut être dans les transports, ça peut être des gens qui vous fixent, des gens qui vous suivent dans la rue, ça peut être des gens qui vont mettre du GHB dans votre verre. Donc, c'est important d'être très vigilante, d'être consciente de ça, en tout cas, principalement. Et puis voilà. Hein, c'est malheureux de devoir encore dire ce genre de choses en 2022, mais c'est une réalité. Alors, je reviens un petit peu sur le côté petite femme à protéger. Même il y a beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles sont mariées, ne travaillent plus. Enfin, vraiment, ça peut paraître un peu moyenâgeux à certains égards. Par contre, une fois que les femmes comment dire, ont leurs enfants, par exemple, qui ont quitté la maison, etc., elles atteignent le statut de ajumma. J'espère bien le prononcer. Ça veut dire femme d'un certain âge en coréen. Et donc, en fait, c'est des femmes, ça y est. Et au moins maintenant, on va plus me gonfler. Je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. Maintenant, j'ai atteint un certain âge. Vous allez me foutre la paix. Et donc, souvent, c'est un peu gang de ajumma, quoi. Je veux dire, elles s'imposent. On les respecte dans la société. Elles n'hésitent pas à vous passer devant dans la file. Parce que soit vous êtes plus jeune, soit parce que vous êtes des hommes et que bah vous allez bien laisser passer les ajouma, merci. Et aussi si par exemple dans le métro vous êtes assise et pas elles, bah elles vont vous regarder longtemps, genre jusqu'à ce que vous leur laissiez la place. C'est assez intéressant ce changement de statut de la femme avant d'être une ajouma et une fois qu'elle est ajouma. Donc voilà, c'était la petite mention que je voulais vous indiquer. Ensuite, en termes de racisme, c'est forcément quand on parle de la Corée, c'est une question qu'on peut se poser. Ça peut être à l'égard des étrangers tout court, ou ça peut aussi être à l'égard de personnes qui sont noires, par exemple, ou d'une autre nationalité. Ça, oui, bien évidemment, je vais en parler tout de suite. Ou d'une autre religion, je vais essayer de faire un petit peu un état des lieux de tout ça. Pour le racisme, en gros, il y a eu il y a quelques mois un mec qui a fait une vidéo sur TikTok, qui a beaucoup fait parler, qui a fait des millions et des millions de vues parce qu'en fait il expliquait que il avait essayé d'aller dans des boîtes de nuit et qu'on lui répondait non, pas d'étrangers, non, pas d'étrangers. Et donc cette vidéo a fait beaucoup beaucoup parler. Voilà, ça, et après il a fait une vidéo YouTube que j'ai regardée tout à l'heure dans laquelle il vient un petit peu expliquer certaines petites choses sur la Corée du Sud. Et en fait, ce qu'il expliquait notamment, c'est que il y a une Alors, je dis pas que ça explique tout parce que je vais pas prétendre que je sais suffisamment, mais je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'il expliquait. C'est que comme en fait, il y a pas mal de soldats américains en Corée et que il y a eu apparemment il y a quelques temps, c'est arrivé que un ou plusieurs soldats américains créent des bagarres dans des boîtes de nuit, par exemple. Eh ben, on peut imaginer que les gens ont commencé à se dire, ok, tu n'es pas asiatique, donc tu es américain, donc on ne te laisse pas entrer dans les boîtes de nuit. De même que cette personne-là disait que là où il vit, il y a des gens qui lui font le salut militaire parce que ils pensent que comme il n'est pas asiatique, il est forcément un soldat américain. Ça peut paraître un petit peu fou dit comme ça, mais donc il y a des amalgames un peu qui peuvent être faits. C'est que si pas asiatique, alors américain ou tous dans le même panier. De même il arrive que des gens qui sont par exemple chinois ou par exemple des Français ou des Belges ou des Canadiens qui ont des origines asiatiques, on leur parle coréen tout de suite en pensant qu'ils sont coréens. Vous voyez, c'est vraiment comment dire, on va penser que votre nationalité, on va juger de votre nationalité en fonction de votre physique. Ce qui fait aussi que il y a un phénomène qui existe en Corée et que j'ai aussi beaucoup entendu au Japon quand j'avais rendu visite à une amie qui a fait un PVT au Japon. Elle me disait: je ne serai jamais japonaise, même si un jour j'ai la nationalité japonaise. Imaginons que je me marie avec un japonais, imaginons que j'ai des enfants japonais, que je parle japonais sur le bout des doigts, et ben je ne serai jamais une japonaise parce que je ne ressemble pas à une japonaise. Et ben c'est exactement la même chose en Corée. Mais elle m'avait quand même dit que c'est quelque chose qui à long terme lui pèserait, elle pense, mais qui sur une année de PVT a fait que tout le monde venait vers elle. Donc finalement, si vous faites un PVT d'un an en Corée, vous verrez que ça pourrait avoir l'avantage d'attirer les gens vers vous,
Après, vous aurez certainement, vous pourrez avoir des gens qui vont vous fixer, etc. Je vais y revenir un petit peu après pour certaines personnes plus que d'autres. Mais effectivement, on peut vous fixer parce que vous êtes très grand, parce que vous êtes très blond, très blonde, parce que vous avez les yeux clairs, ce genre de choses. Et donc, ça peut être un petit peu lourd. On vous fera toujours sentir que vous n'êtes pas d'ici. Et en même temps, ce qu'on peut constater, ce que j'ai entendu en tout cas dans les témoignages, c'est que bien souvent, c'est beaucoup plus de la curiosité que vraiment un racisme, comme on peut l'entendre chez nous, méchant, agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je ne vais pas commencer à faire tout un topo sur qu'est-ce que c'est être noir en Corée. Je pense que je suis très mal placée pour le faire. On va vous donner deux liens. Alors, deux liens qui sont deux personnes sur YouTube. Pour le garçon, c'est Papsan et pour la fille, c'est Ayam Mariam, que je vous invite à regarder. Et ils disent à peu près ce que je viens de vous dire quand même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment senti de l'agressivité, c'était vraiment de la lourdeur, de la curiosité. Alors, je dis pas que c'est mieux, hein. C'est un peu mieux sans doute que l'agressivité, mais c'est lourd vraiment, c'est-à-dire qu'on va vous regarder beaucoup, qu'on peut avoir envie de vous toucher, etc. Moi, quand j'étais en Chine, à Hong Kong et en Chine, avec mon ex-belle-sœur, qui est noire pour le coup, et ben, elle en avait vraiment marre, mais vraiment marre, parce qu'on la regardait tout le temps. Elle a vu des gens mimer ses tresses à Hong Kong, donc elle savait qu'ils parlaient d'elle. Quand on était en Chine continentale, c'était pire pour le coup. Alors, il y a des gens qui lui ont demandé s'ils pouvaient la prendre en photo. Elle a dit non. Et quand on était dans l'escalator toutes les deux, bah, on a vu quelqu'un monter discrètement dans l'escalator et tout en haut avec son zoom prendre une photo. Et donc elle l'a vu et donc elle s'est cachée en fait. Enfin, ça me paraît fou. Et quand on était dans le vieux Pékin, on s'est fait suivre par trois petites mamies qui regardaient tout ce qu'elle faisait en fait. Et le truc, c'est que bah, c'était super chiant. Enfin, quand vous lui parlez de la Chine, bah, elle n'en garde pas un bon souvenir, notamment à cause de ça, surtout à cause de ça, parce que c'était vraiment, vraiment lourd. Voilà, donc je pense que c'est, encore une fois, je vais laisser les youtubeurs vous expliquer tout le détail. Hein. Vous verrez, leurs vidéos durent 10-15 minutes à chaque fois, donc ils vont vous donner plein d'infos. Mais il faut quand même s'attendre à ce genre de choses-là. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la religion, en Corée du Sud, il y a trois religions dominantes, hein, qui sont le christianisme, le bouddhisme et le confucianisme. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres petites choses dont je n'ai pas forcément conscience. J'ai pas creusé la question de la religion, mais j'ai voulu l'évoquer parce que on a souvent des questions sur comment ça se passe pour les musulmans en Corée du Sud. Donc là aussi, on a des petits liens qui vont vous intéresser. Alors déjà, on a un dossier thématique qui s'appelle Vivre en Corée du Sud en tant que musulman, qui vous donnera pas mal d'informations. Et on a le récit de Badran et de Yeliz. Alors Badran, vraiment, l'interview portait sur être musulman en Corée. Yeliz, c'était plutôt comment dire, on a fait le tour de son PVT, mais on a abordé la question d'être musulmane en Corée du Sud. Donc voilà, du coup, c'est des récits qui peuvent vous intéresser. Voilà, et puis je vais terminer ce petit. Il me reste encore quelques petites choses à dire. Après, je vais regarder si vous avez des questions. Il y a également des questions de temps en temps sur le fait d'être homosexuel en Corée du Sud. Là aussi, on a un dossier thématique sur l'homosexualité en Corée du Sud et le récit d'Alexis qui nous parle d'être gay en Corée du Sud. Alors, c'est des récits qui datent un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qui ont un peu évolué. Je pense que là aussi, en 2022, ce serait pertinent qu'on commence à prendre des récits plus récents. Peut-être que plein de choses auront évolué, peut-être que plein de choses auront changé. Je profite de ça pour vous préciser qu'on vient de mettre une annonce aujourd'hui sur pvtis.net parce qu'on va rechercher quelqu'un pour environ 2 mois dans les prochaines semaines, quelqu'un qui part en Corée du Sud ou qui est actuellement en Corée du Sud pour justement mettre à jour notre contenu, aller à la recherche de personnes à interviewer pour nous raconter un aspect de leur PVT ou quelque chose de très, très précis, là, comme les liens que je viens de vous citer à l'instant. Parce que, bah, y a beaucoup de choses qu'on vous dit sur le site qui sont à mon avis très bien, mais qui manquent peut-être un petit peu d'actualité. Ce serait bien que quelqu'un vienne un peu confirmer ça. Et puis aussi raconter son PVT, comment ça se passe pour lui, comment il ouvre son compte en banque, voilà, ce genre de choses. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser au début de votre PVT, idéalement, on aimerait bien trouver quelqu'un à temps plein. Quelqu'un qui voyagera peut-être plus tard, mais qui au début n'est pas contre l'idée de s'installer pendant 2 mois quelque part, ou ne pas s'installer 2 mois quelque part, mais toujours avoir un internet qui lui permet de travailler. Si c'est 1 mois à Séoul, 1 mois à Busan ou ailleurs même, ou 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, il n'y a aucun problème pour nous, bien au contraire, puisque ça permettrait de raconter des choses différentes, mais simplement être là quand même tous les jours et à temps plein.
Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler et on commencera à regarder un petit peu les candidatures dans la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous indiquer quand vous partez aussi et ce que vous avez l'intention de faire une fois sur place. Je termine avec quelques points de la culture coréenne. Notez qu'en Corée, si aujourd'hui vous avez 22 ans, et ben en âge coréen, vous avez 23 ans. Et au 1er janvier, vous gagnez une année supplémentaire. C'est-à-dire que on considère en Corée que vous avez un an quand vous naissez, parce que ça fait 9 mois que vous êtes dans le ventre, donc ça fait vous avez un an quand vous naissez. Et on a un an supplémentaire le 1er janvier. Tout le monde a un an supplémentaire le 1er janvier. Du coup, pour calculer son âge, il y a des petits calculs à faire pour voir, comment dire, il faut calculer son année de naissance plus un an et voir où on en est dans l'année. Est-ce qu'on est au 30 décembre et donc on a bientôt un an de plus ou est-ce qu'on vient d'avoir un an de plus? Je répète, je l'ai dit hier, que la carte de visite est très répandue en Corée du Sud. Ça peut être vraiment, vous pouvez la donner à plein de gens, pas forcément que dans le domaine professionnel. Et vous pensez bien à la donner à demain et à prendre celle de votre interlocuteur à demain. C'est toujours poli de faire ça. C'est comme ça que ça doit se faire. On observe un petit temps pour voir la carte de la personne pour montrer qu'on porte un intérêt et on la range soigneusement dans son portefeuille ou on la laisse devant soi selon le cas de figure. Dans les transports en commun, on ne mange pas et on ne boit pas. C'est pas très poli de le faire. Pour le coup, je me rappelle qu'à Hong Kong, je crois que c'est ma mère qui a mangé un tout petit truc. Ça a choqué vachement les gens. On était désolés. Je lui ai dit, ah, faut pas manger. Et en fait, on a vite fait d'oublier. Donc, attention à bien respecter quand même un petit peu les codes du pays. Il y a des codes aussi qui changent. Par exemple, en France ou en Belgique, je pense que c'est pareil. En Belgique, quelqu'un qui renifle pendant 10 minutes, t'as juste envie de lui tendre un mouchoir pour qu'il se mouche. Et ben, en Corée, c'est l'inverse. On se mouche pas. C'est pas propre, mais on peut renifler. Voilà. La chirurgie est très fréquente en Corée du Sud, hein. Il y a beaucoup de retouches, beaucoup de choses un petit peu comme ça. Et notamment, je vous le disais hier, c'est pas rare, c'est même très fréquent de retoucher sur Photoshop sa photo pour la mettre sur son CV en étant bien nickel. Et j'ai vu notamment qu'il y avait des opérations aussi pour la myopie. Ça peut être quelque chose que des gens veulent faire pendant qu'ils sont en Corée du Sud. Je vous incite pas du tout à le faire si vous n'avez pas envie. Moi, je l'ai fait en France, ça m'a coûté un bras. Là, j'ai vu que c'était moins cher en Corée. J'avais connu quelqu'un quand je suis allée voir mon amie qui était en PVT au Japon. Elle avait un copain anglais qui avait fait son opération au Japon. Ça peut être une bonne idée. Après, bien sûr, renseignez-vous bien sur cette opération, ses risques, etc. Et puis, n'allez pas forcément vers le plus discount, hein. Comme toujours, ça reste de la chirurgie. Je pense aux yeux, hein, je vous invite vraiment pas forcément à faire de la chirurgie esthétique pendant votre PVT. Je l'ai juste intégré à cette ligne sur la chirurgie, mais c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, faites très attention à ne pas aller au moins cher, au risque de ne pas avoir un soin correctement fait. Voilà, on évoquait aussi lundi les risques de typhon en Corée du Sud. On a un dossier thématique qui s'appelle le risque de typhon pendant un PVT en Asie que je vous invite à consulter. Il y a des conseils, etc. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a intéressé et je vais regarder un peu si vous avez des questions à me poser en essayant d'y répondre. Pour l'alien card, est-ce qu'il faut une photo d'identité française ou coréenne retouchée? Alors, a priori, c'est plutôt une photo française. Là, pour le coup, ça va pas être quelque chose pour séduire un employeur. Ça va être une pure démarche administrative. Donc, on va pas se dire, dis donc, c'est pas soigné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, ça peut être une photo classique, française, je veux dire. Peut-on changer de logement sans délai, par exemple les guest house? Alors si c'est des guest house en mode auberge de jeunesse, ça bien évidemment vous réservez pour une semaine, 2 semaines, un mois, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vrai que j'ai moins vu les histoires de préavis pour les Gochiwon. Je suppose qu'il y en a, mais que c'est un petit peu plus souple que les baux d'un an, parce qu'il n'y a pas caution et tout ça. Mais pour les guest house, en tout cas, oui, c'est en tout cas pour les auberges de jeunesse, il n'y a à proprement parler pas d'engagement. Donc, je pense que tu réserves pour X temps et que et voilà et du coup tu t'engages pas sur une année complète. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais les forfaits téléphoniques sont avec ou sans engagement. C'est vrai que je l'ai pas dit. Il y en a qui sont à l'année où tu payes au mois. Et alors je vais juste vérifier un truc. Et puis j'ai vu qu'il y en a qui se rechargent tous les mois. On va aller regarder sur celui qui est moins cher, la Kimchi Mobile. Mobile. Alors, prepaid. Donc, prepaid SIM, ça d'accord. Est-ce que si je vais là, budget, hop, on va regarder celui-ci. Est-ce qu'il y a marqué un an, unlimited? Mais est-ce qu'il y a marqué exactement en fait? What's included how to activate? Ah voilà. Annulation, comment ça se passe?
Ah non, ça c'est si tu annules après l'envoi, si tu annules après l'application, non, ça c'est si tu annules le fait d'avoir réservé une carte SIM. C'est une bonne question. Zut, je ne sais pas du tout. J'ai tendance à penser que celle où tu peux recharger tous les mois, tu peux ne pas recharger. Tu vois ce que je veux dire? Il me semble vraiment qu'il y a les deux. Donc, c'est pour ça qu'on distinguait vraiment celui payable au mois et puis celui rechargeable au mois. Ça va être ça un petit peu la petite nuance, mais ça vaudra bien le coup effectivement de vérifier ça auprès de l'opérateur que tu vas choisir. Bonjour, c'est peut-être une question bête, mais j'ai entendu dire qu'il ne faut pas du tout boire l'eau du robinet en Corée et ne boire que de l'eau en bouteille. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, c'est une bonne question. J'ai pas abordé et quelqu'un a répondu en commentaire. Merci beaucoup pour la réponse. En effet, il est peu conseillé de boire de l'eau du robinet. Les Coréens ont généralement une machine à côté du robinet pour filtrer l'eau plus sereinement. Ok. Alors ça, c'est vrai que je n'avais pas même pas pensé à cet aspect-là. Donc effectivement, et j'essaie de me rappeler si au Japon j'avais ça aussi, mais il y a moyen. C'est vrai que je crois qu'on achetait tout le temps des bouteilles d'eau. Plutôt que d'acheter des bouteilles, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose pour filtrer, effectivement, et puis avoir une gourde, quoi, parce que c'est vrai que écologiquement, c'est quand même une cata si tout le monde est en bouteille d'eau, et puis bon, après, au bout d'un moment, ça représente aussi un budget. Moi, j'aimerais avoir plus de précisions sur les saunas en Corée, où il y a des gens qui dorment. Ça peut être une bonne expérience. Alors là aussi, quelqu'un a répondu en commentaire, merci beaucoup. En général, c'est 7 euros les 24 heures environ, et tu peux dormir là-bas, mais c'est par terre. Et il y a une autre personne qui a répondu, c'est possible de dormir au sauna, mais en dernier recours, si possible, il y a des vols. Ok, ben merci beaucoup pour vos deux retours. Vous voyez, je n'étais pas au courant de ça. Sur les saunas où on peut dormir. Ah oui, effectivement. Alors ça, ce serait bien qu'on l'ajoute à notre dossier Corée. La personne qui va travailler avec nous pourra l'ajouter parce que, effectivement, je ne l'ai pas du tout lu. Donc, merci pour la question et merci pour les deux personnes qui ont répondu. Alors. Il y a des gens qui ont laissé des commentaires qui peuvent vous intéresser. Je vais les lire. Merci beaucoup à vous aussi. Pour les téléphones low cost, il faut chercher les MVNO. Il y a un site de comparatif qui s'appelle mvnohub.kr, donc mvnohub.kr. Contrat sans engagement et meilleure offre pour la data, donc pour le nombre de gigas d'Internet que vous avez. Merci beaucoup pour ce lien. Pour le téléphone à l'arrivée, j'ai trouvé la solution. J'ai reçu par la poste en France ma carte SIM pour un mois, activable à l'arrivée à Séoul. C'est quelqu'un qui est passé par un truc qui s'appelle Trazy, Trazy. Crazy, j'imagine. Hein, je vous ai dit ça à la française. Vous pouvez commander avant de partir. Alors, ça, moi, je connais pas. Là, je vous donne les commentaires des gens. Je me doute que c'est des vrais bons plans, mais je préfère vous dire que voilà, j'ai pas du tout le temps de tester. Par contre, on sera très intéressé d'avoir des retours, si jamais des gens, effectivement, bah, la personne qui a fait ça, si tu peux nous faire un petit retour sur le groupe Facebook PVTiste en Corée du Sud, quand tu seras arrivé en Corée pour nous dire si tu as pu correctement activer, ta carte SIM en arrivant à Séoul, ce serait vraiment génial. Également, quelqu'un d'autre nous dit, bien vu, n'oubliez pas que dans la plupart des endroits, il ne faut pas jeter le papier toilette dans les toilettes. C'est vrai, j'avais oublié ça, pour le coup, je l'avais vécu au Japon. Effectivement, faut jeter dans la poubelle qui est à côté. C'est surprenant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Quelqu'un d'autre qui dit qu'il y a aussi des banques présentes dans les universités et qui sont souvent visitées par les étudiants étrangers, donc parfois ils peuvent parler anglais. Tout à fait, ça peut venir compléter effectivement la liste de banques qui ont été dites tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un dossier sur le tri? C'était un peu compliqué lors de mon dernier séjour. Le tri, tu veux dire tout ce qui est poubelle, tri sélectif, etc. Alors ça, pas du tout, on n'a pas de dossier. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, bah, comme il y a des gens qui sont bien informés, qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez des infos à donner sur les poubelles, le tri, etc., n'hésitez pas. Est-ce que c'était sur la Corée ou sur le Japon l'autre jour que je voyais une vidéo d'un YouTuber qui expliquait effectivement qu'il fallait laisser ça devant? Je sais plus exactement ce qu'il disait, puis de toute façon, c'était au Japon, donc je ne vais pas vous dire d'ânerie. Mais si quelqu'un a envie de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Et quelqu'un dit qu'il y a des boutiques plus size au-dessus du 40-42 depuis peu. Alléluia. Ok. Donc en fait, vous allez être un petit peu plus tranquille que ceux qui sont passés avant vous et qui faisaient pas du 36-38 quoi.
Question plus générale sur le PVT, est-ce que c'est courant de venir en PVT pour chercher un travail à temps plein et convertir un visa après, avant la fin du PVT, par exemple après un mois de PVT? Alors après un mois de PVT, je le ferai vraiment pas dans n'importe quel pays, parce que tant que t'es en PVT, franchement, garde-le. Ça te permet, au cas où ça se passe mal avec l'employeur, ou si tu trouves mieux, plus intéressant ailleurs, etc., de pas être obligé d'être coincé avec l'employeur. Après, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire pour la Corée, c'est que comme on a le droit, en tant que Français, à uniquement 25 heures par semaine de travail, et quand on est belge, on peut travailler que 6 mois dans l'année de PVT, c'est sûr qu'on peut être tenté de switcher après. En PVT, de façon générale, il y a plein de gens qui essayent de faire ça, surtout au Canada, un petit peu en Australie, un petit peu en Nouvelle-Zélande, j'en ai connu un petit peu aussi en Amérique du Sud. En Asie, ça peut arriver, mais c'est pas si simple que ça, surtout en Corée et au Japon, où effectivement, comme on le disait hier, il faut, pour avoir un visa de travail après, il faut vraiment avoir un diplôme, au moins bac plus 3-4. Et puis l'employeur doit quand même prouver aux autorités de son pays qu'il a vraiment besoin d'embaucher un étranger. C'est pas forcément si simple. Autant à Hong Kong, je pense que si tu es dans des certains domaines qui recrutent beaucoup, peut-être dans la finance, dans l'assurance, dans la banque, ou même dans l'hôtellerie-restauration, la restauration, je pense qu'il y en a qui arrivent à avoir des visas après. Enfin, j'en ai connu notamment dans la restauration qui ont réussi. En Corée, je ne peux pas te garantir que ça arrivera, mais si tu es dans un domaine qui recrute ou qui nécessite vraiment du français, par exemple, peut-être que tu pourrais trouver quelque chose effectivement. Il y a Florian qui répond que le tri, ça dépend un peu de où tu loges. Donc, faudrait un petit peu creuser la question. Et puis, en attendant que nous, on ajoute ça sur PVTIS, n'oubliez pas que sur PVTIS.net, vous avez un onglet forum. Sur cet onglet forum, vous avez un sous-forum pour chaque pays du PVT. Et dedans, vous pouvez ne pas hésiter à ouvrir des discussions et à donner des infos. Comme je le disais, je crois, lundi, sur le groupe Facebook où je vous recommande d'aller, bien évidemment, c'est vachement bien, il y a plein d'infos. Mais en fait, assez vite, ces informations sont perdues. Alors que sur le forum, en fait, l'avantage, c'est que tout ce que vous dites, Google va le voir et va pouvoir le sortir quand des gens vont faire des recherches ultérieurement sur cette thématique-là. Et donc, vous allez pouvoir aider des centaines de personnes dans les 6, 12, 24 prochains mois qui vont trouver cette information grâce à vous sur le forum. Donc, n'hésitez vraiment pas parfois à faire un petit tour sur le forum Corée si vous avez envie de donner un petit peu de votre temps. Ce sera bienvenu. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Donc, bah, c'est l'heure pour moi de vous remercier de votre attention, de vos questions et pour ceux qui ont donné des réponses, de vos réponses, c'était très précieux d'avoir vos compléments d'infos et notamment aussi pour tout ce qui est papier toilette, eau en bouteille, etc. Enfin, en tout cas, eau filtrée. Ça venait bien compléter ce que je vous ai dit en espérant que tout ce que je vous ai dit vous a paru intéressant. Il y a Jérôme qui dit pour les emplois comme la finance et l'informatique à niveau bac plus 5, n'y a-t-il pas de risque d'avoir des difficultés à trouver des emplois à 25 heures par semaine? C'est possible que oui, effectivement, c'est possible. Alors soit c'est des domaines qui recrutent beaucoup et l'employeur préférera t'avoir 25 heures que pas du tout. Soit effectivement ils vont dire ah ça m'embête, c'est possible franchement. Donc à voir si dans ton cas, si tu as bac plus 5, est-ce que le VIE ne serait pas une meilleure option que le PVT? Si tu te rends sur le site de Business France, pour te renseigner sur le VIE et voir un peu s'il y a des offres en Corée, peut-être que tu pourrais décrocher plutôt un VIE. À noter que le 31 mars à 15h20, on va participer au salon S'expatrier mode d'emploi et on va faire avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et Business France une session d'information sur le PVT et le VIE, qui sont deux programmes qui intéressent beaucoup, beaucoup de gens. Donc si tu as des questions sur le VIE, n'hésite pas à venir participer. Donc je t'ai dit le 31 mars à 15h20. Je crois que j'ai pas encore publié notre article sur S'expatrier mode d'emploi, mais on va le faire prochainement. Et du coup, tu pourras peut-être poser des questions. Sinon, tu vas directement sur Business France. Il y a déjà pas mal d'infos. Voilà. Bon, bah super. Super, merci pour ceux pour qui le live a intéressé et ceux qui sont venus aider. C'est pas mal à l'image de la communauté PVTIS, donc ça fait très plaisir. Encore une fois, je suis ravie que le PVT Corée reprenne pour les Français. On espère que vous allez passer un super séjour là-bas. Partez toujours en vous disant qu'il se passera de tout, des trucs géniaux et des trucs un peu moins bien. Comme ça, vous n'avez pas des attentes colossales. Mais au final, la majorité du temps, on rentre de son PVT avec tellement de souvenirs, tellement de voyages, tellement de rencontres, tellement d'expériences, tellement de connaissances du pays et donc d'ouverture d'esprit parce qu'on a rencontré plein de gens différents, on a dû faire face à une culture différente avec des trucs qu'on adore et des trucs qui nous plaisent pas, mais on a dû
mettre de l'eau dans son vin pour s'intégrer, c'est fascinant, c'est enrichissant, c'est épanouissant. Vous vous rappellerez de cette année toute votre vie. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Je vous retrouve dans quelques jours et semaines pour d'autres lives. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en fait régulièrement, donc n'hésitez pas à consulter notre article événement PVTIS 2022. Et puis à très bientôt. Et puis pour ceux que ça intéresse, on attend vos candidatures. Bonne journée.